Amicia, on n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Hé ! Hugo, où tu vas ? Oh, des bulles ! Il y a des bulles qui montent ! Oui, Hugo. Mais c'est quoi ? Un poisson, une grenouille, je sais pas, moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais j'ai jamais vu une grenouille, moi. C'est quoi ? Une sorte de peau. Ça a l'air bizarre, ce qu'il y a dedans. Ouais, laissons ça là. Quelqu'un est venu lire un livre ici. Du sang. Il y a eu quoi? Je sais pas, mais ça s'est pas bien fini. Peut-être. Peut-être qu'il y a eu des rats. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Ils font ça. C'est des animaux, bordel. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Ça me dit rien comme bruit. Non, rien. Y a rien du tout. Amicia, regarde. Il y a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Ce bruit, c'était quoi? Ça fera la terre. Avec le deuxième barrage,
plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les autres barrières. On est piégés. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez, j'y vais. Bon. Oui. C'est terminé. À moi maintenant. Encore ? J'en aurai le cœur net. Amicia. Toujours rien. Je me ferai pas encore avoir. J'ai entendu quelque chose par là. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement ? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi ? Et pourquoi ? Chut ! C'est pas le genre de capitaine de la garde pour de les prendre vivants ? C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors... Attention, il y a un garde ! Oui. Ça va me simplifier la vie. Amicia ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ils me cherchent ? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal ? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord ? D'accord. Hugo, tu es où ? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Vous ? Hugo ! T'as eu peur ? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène ? Ne refais plus jamais ça, tu as compris ? Bon, d'accord.
sont nombreux. Fausse alerte, alors. Vous avez entendu? Je vais voir. Ne laisse pas surprendre. C'était rien. Excellent. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Toujours rien. Et rien du tout. Bon, laissons tomber. Hey, c'était quoi encore ce bordel ici? Fouillez tout! Ici! Attrapez-moi ça! Par là! J'ai trouvé! C'est rien non plus! On se relâche pas! Ils sont nombreux. C'est quoi? Non, rien. Y a rien du tout. J'ai entendu un bruit. Je vais voir. Sois prudent. Hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On n'enterre pas,
Il a été mordu? Ouais. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. C'est quoi ce bacard? Qu'est-ce qu'il... C'est quoi ça? Rien. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. Ça venait de là-bas, je crois. Toujours rien, hein? Mais... ça bouge par là. Y a rien. Faut que je me calme. Non, rien. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Je vais t'aider. Oui. Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez, tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête... ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. Presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Ça rentre
dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Juste. Encore cette boue. On passera pas. Oh, mon Dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. Pousser ça. D'accord. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est très, très lourd. Je... On y est. Ohé, Laurentius! Chut, Hugo! Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? Pardon. Thank you.
ça un moulin? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Ces sacs ont l'air très lourds. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Amicia, une fleur. Hugo, c'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Y a quelqu'un? Allons voir. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi? L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller... aller au... château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les occuper.
Ce dessin... ça représente quoi? Toute une vie. Une vie d'alchimiste. En tout cas, c'est joli. Oh, les jambons! Bonne idée! Ah, mais ils craignent la lumière! La lanterne! Bon, tu peux y aller. Voilà. Désolée. Bah, c'est pas grave. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été... un long trajet. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Oh, comment on va faire? Il nous faudrait de la viande, morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Vas-y, monte. Ah, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'unifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre, ce four... ça doit être ça qu'ils appellent un athanor. Tu fais quoi? Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. Léviter extractable sic. Lucas, c'est du latin. Pourquoi mon mâle, c'est pas le même que Laurentius? Il a été mordu par un rat, pas toi. Et est-ce qu'il va mourir? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Oh, Hera ! Oh non ! Non ! Il est coincé ! Non,
Fini faire, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Oh, oh, ça fait du feu. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Des rats, reculez! Minifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explique pas le visage. Passe devant. Il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. Je passe devant. Pas de problème. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire... Je suis vraiment... Dans la maison. Oh non! Mais tu qu'à attendre les allons! Attention! C'est quelque chose! On doit partir! Maintenant! Maître! Hé! Hey, arrête! On a besoin de toi! Regardez! Le cheval! C'est le moment! Hugo! Lucas! Courez! On a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas! Je suis là! Il va où, ce chemin? Lucas! On va où, comme ça? Vers la rivière!